Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. The first part of this bilingual edition of news is in the French language with Julien Baird-Bissat. Julien Baird-Bissat, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Television. Un mort et un blessé grave, c'est le bilan d'un incendie survenu hier à Loum Chantier dans le département du Mungo. La victime serait impliquée dans la vente illicite du carburant frélaté. Le récit des faits, c'est avec Jacques Nomoulon et Xavier Foucault. Et je vous le disais, nous revenons sur cet élément qui nous vient du département du Mungo, je vous le disais, un blessé et un mort à la suite d'un incendie survenu dans la localité de Loum Chantier, c'est dans le département du Mungo. La victime serait impliquée dans la vente illicite du carburant frélaté. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foucault, Jacques Nomoulon. Et cet élément que nous aurons avant la fin de cette édition du journal, douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Le chef de l'État, Paul Biya, demande au Premier ministre de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique. Le chef du gouvernement doit cependant soumettre au chef de l'État un mécanisme plus approprié de recouvrement des 10 droits et autres taxes. C'est l'essentiel d'une correspondance du secrétaire général à la présidence de la République adressée au service du Premier ministre. Et si la taxe de 33% est imposable aux consommateurs du téléphone portable et tablette, l'économie camerounaise perdrait des milliards de francs CFA et de milliers d'emplois, ce qui, d'avis d'experts, agrandirait le fossé numérique entre le Cameroun et les autres pays du monde. C'est l'analyse que fait la camerounaise Rebecca Enonchon, spécialiste internationale de l'économie numérique. On voit tout cela dans ce reportage de Jean Pochouniat. Opérant dans l'économie numérique depuis une vingtaine d'années, la Camerounaise Rebecca Enonchon voit en la nouvelle taxe sur les téléphones portables et tablettes un moyen pour le gouvernement de spolier les citoyens camerounais déjà bien appauvris par les différentes conjonctures économiques difficiles qu'a connu le pays. C'est une mesure qui punit un consommateur parce que les douaniers n'ont pas pu faire leur travail. En prélevant cette taxe de 33%, soutient Rebecca Enonchon, l'accès des consommateurs aux téléphones portables performants va diminuer, baissant le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile et élargir le fossé numérique entre le Cameroun et les autres pays d'Afrique et du monde. On a besoin que les gens utilisent leur téléphone et on a besoin qu'ils aient le téléphone le plus performant possible. Et donc aujourd'hui, ils ne vont plus acheter des téléphones, ils vont acheter le téléphone qui leur coûte le moins cher parce que les droits de douane dessus seront les moins élevés. Et donc je pense qu'il faut réfléchir et voir l'impact sur toute l'économie et non seulement les droits de douane. Sur cette taxe de 33%, la tête du consommateur, le mode de paiement par crédit téléphonique converti en argent non encore autorisé en zone CEMAC, la mesure dépasse l'entendement humain, s'exclame la tech entrepreneur Rebecca Enonchon. Et s'il est pareil que le mobile money, donc la monnaie électronique, ça veut dire que les opérateurs qui font le mobile money n'avaient pas besoin d'un accord avec la BEAC pour faire leur mobile money. Deuxième point d'ombre qui préoccupe la patronne mondiale des startups, le mécanisme de collecte de cette taxe. Rebecca Enonchon y voit encore un moyen de détournement de fonds publics au profit d'un groupuscule d'individus. Monsieur Zambo et sa société Arintech vont prélever 1,65%. Et donc, au lieu d'avoir 100% des droits de douane, l'État, volontairement, dit que non, les importateurs, vous n'avez plus besoin de payer les droits de douane. D'ailleurs, c'est presque encouragé que tout l'argent passe par cette plateforme. À travers le flou juridique autour de cette plateforme,
son déficit technique en équipement. Rebecca Enonchon remet en cause les capacités de l'entreprise à pouvoir collecter en toute transparence cette taxe au nom de l'État camerounais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations sur la plateforme. Ni le gouvernement, ni M. Zambou ont bien vraiment communiqué sur l'architecture de la plateforme, la technologie qui est utilisée, la base de données qui est utilisée, les méthodes de sécurité qui ont été utilisées. Et donc, on n'a pas réellement beaucoup d'informations. On sait qu'il y a des failles. En 2015, le ministère des Postes et Télécommunications prévoyait une hausse de 10% sur le produit intérieur brut grâce à l'économie numérique. Et si rien n'est fait pour le Cameroun, martèle Rebecca Enonchon, notre économie perdrait des milliards de francs CFA et des milliers d'emplois ruinés. Pour la seule année 2017, l'économie numérique a généré en Afrique 8 000 milliards de francs CFA d'impôts et créé 3 millions d'emplois. Je vous le dis en ouverture de ce journal, un mort et un blessé grave, c'est le bilan de l'incendie survenu à Long Chantier dans le département du Mungo. La victime serait impliquée dans la vente illicite du carburant frélaté. D'autres précisions avec Xavier Foka et Jacques Nombolo. La foule est ahurie et des femmes inconsolables. Une femme vient de perdre la vie et une autre brûlée au troisième degré dans un incendie qui a eu lieu ce lundi matin au lieu-dit mars sur Loum Chantier dans le département du Mungo. La cause de l'incendie, le carburant frélaté qui s'est embrasé. À peine 10 minutes que on n'avait pas de carburant. Maman, elle était venue prendre mon carburant pour vendre. Le feu n'était pas loin du carburant. Cela va 5 minutes auquel à peine d'entrer le carburant. C'est même pas 5 minutes. Boum! Incendie! Papa le feu! La mère sort! La mère sort avec le feu sur elle partout! La foule qui a accouru a pu sauver la vie de l'une des deux dames qui se trouvait dans cette maison au moment des faits. Quand le feu m'a pris, ça a embrassé d'abord celle qui vendait le carburant et après, celle qui est brûlée a pu s'échapper. Et pendant que nous sommes arrivés, on a cherché à éteindre le feu. On ne savait pas qu'il y avait une personne dedans. Ça peut avoir éteint tout le feu. On s'est rendu compte que Sieur Mani, Maman Elie, Mamie Makaka, on l'appelle souvent, était couchée dans la maison et elle s'est calcinée complètement. Le sous-préfet de Loum, Zoua Pascal, qui a effectué une descente sur le lieu du drame, rappelle ici le caractère dangereux de la vente du carburant frélaté. Une activité déjà interdite par la loi. C'est une activité extrêmement dangereuse. Et le souci de l'État a toujours été de faire en sorte que la vente du carburant ne se fasse pas dans les agglomérations. Et même le transport du carburant, en réalité, ça se fait par voie maritime. Nous condamnons fermement cette activité et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va encore revoir tous les réseaux de vente de ce carburant. À Melon, c'est toujours dans le département du Mungo. Ce sont près de 200 000 litres de carburant frélaté qui ont été saisis dans cet entrepôt par des éléments de la compagnie du Mungo Nord. Une saisie rendue possible grâce à la collaboration de la population. La population nous a donné un renseignement selon lequel des gens étaient installés ici et qu'ils faisaient de la contrebande des produits pétroliers. Nous les avons filés depuis à peu près 5 jours et le renseignement, Dieu merci, était effectivement bon. Nous sommes tombés en garde aux abords du dispositif et lorsque les camions sont entrés pour livrer le carburant, nous avons donné. Le gouvernement est engagé dans la lutte contre la vente illicite du carburant qui fait perdre à l'État d'énormes sommes. Les usagers aussi paient le lourd tribut de cette activité, tout comme toute la chaîne de distribution. Ceux qui font ce genre de contrebande ne payent pas les taxes parce que le pétrole qui est utilisé dans cette opération est défiscalisé. Et après, lorsqu'ils mélangent donc, ce pétrole avec du gazole, du super, c'est clair que c'est des laboratins. Soit ils se retrouvent dans des proportions telles que lorsque nous faisons des analyses, on se retrouve dans des plages où les paramètres sont ceux du gazole ou du super. Mais petit à petit, ça abîme les moteurs. Ça abîme les moteurs. Et l'État perd en termes de recouvrement de taxes. Et même en dehors de l'État, les marketeurs qui sont agréés, qui travaillent normalement, à leur niveau, en termes d'économie, eux, ils ont du personnel, ils paient les impôts de l'État, donc c'est une concurrence déloyale. Le préfet du Mungo, Yves Bertrand Djana, est descendu dans l'entrepôt où a été saisi le dit carburant.
Alors que le gouvernement est engagé dans la lutte contre le commerce illicite du carburant, l'activité est plutôt bien répandue dans plusieurs villes du pays. Une contribution originale, impressionnante, riche et utile. C'est ainsi que le Premier ministre Joseph Diongouté a qualifié le livre blanc de l'économie camerounaise. C'était hier lundi, lors d'une audience sollicitée par le président du JICAM, Célestin Tawamba, pour réserver au chef du gouvernement la primeur de ce document que le JICAM vient d'élaborer. L'audience a été un moment d'échange fructueux sur le contexte de cette contribution, les enjeux ainsi que les objectifs de cette démarche du patronat. Selon les propos du président du JICAM, le livre blanc consacre un engagement phare de son exécutif et servira désormais de fil d'Ariane au plaidoyer du groupement. Il est le fruit d'une démarche participative qui a impliqué l'ensemble des commissions actives au sein du patronat. Sous-titré « L'impératif industriel du Cameroun », le document propose le regard des chefs d'entreprise sur la politique économique de la nation, à travers lequel ceux-ci partagent les choix de filières prioritaires du plan directeur d'industrialisation. À la suite de l'audience avec le Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation du JICAM a été reçue par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. À présent, un publi-reportage dans ce journal. Des femmes rurales de Massok Songloulou formées à la mise en œuvre et au suivi d'une pépinière de cacaoyer. Les bénéficiaires ont profité de cette occasion qui a coïncidé avec la Journée mondiale de la femme rurale pour interpeller les pouvoirs publics sur l'enclavement des principaux bassins de production agricole. Reportage. L'ambition est à la hauteur de la volonté et de la détermination qui anime la femme Lorega du village Ihound. Elle veut saisir toutes les opportunités qu'offre la filière cacao pour se faire une place au soleil. Le projet intitulé « Une femme, un demi-hectare de cacao » va permettre à toutes ces femmes d'avoir un revenu annuel minimum 300 000 francs. Donc ça va beaucoup aider ces femmes-là qui vivent dans une zone enclavée à pouvoir s'occuper de leur famille, s'occuper même de la communauté. C'est une grande ambition qui doit cependant reposer sur une fondation solide. La base de cette fondation est la mise en place d'une bonne pépinière. Voilà qui justifie la formation offerte par l'ESPER Cacao du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'est un préalable nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans l'autonomisation, tout commence par la production du matériel végétal. Elles doivent savoir produire elles-mêmes leur matériel végétal pour la création de futures plantations. Beaucoup de chocolatiers commencent à s'intéresser à l'origine Cameroun. Ça veut dire que c'est un marché qui ira grandissant. Donc c'est le moment de prendre le taureau par les cornes, améliorer certes le traitement post-récolte, mais beaucoup plus intégrer les femmes. Séance tenante, elles ont reçu en théorie et surtout en pratique tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre et au suivi d'une bonne pépinière. En quelques mots, c'est que l'origine de la semence est très importante. La conduite de la pépinière a des étapes clés, telles que le choix du terreau, telles que la préparation de semences, telles que le système d'arrosage, de traitement phyto et même l'acclimatation et le transport des plants. Vous avez vu l'engouement et surtout la volonté. La volonté parce que tout part du fait que pour qu'elles ne dépendent plus entièrement des hommes, elles doivent se mettre au travail. Avec une tête désormais pleine de connaissances, la femme Lorega est prête à se jeter à l'eau tant il est vrai que la filière cacao est de plus en plus porteuse. J'ai essayé de travailler les arachides, le manioc. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais avec la formation que je viens d'obtenir tout à l'heure, j'espère que avec le temps, je vais m'en sortir pour le cacao. Et je pourrai vraiment envoyer mes enfants à l'école et nourrir toute ma famille. Le lancement du projet baptisé « Une femme, un demi-hectare de cacao » a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Celle du village Ihound souffre le martyre au quotidien du fait de l'enclavement des principaux bassins de production agricole. Ici, à Lorega, c'est beaucoup plus l'enclavement, c'est vrai. Parce que la femme Lorega est une femme travailleuse. Nous avons nos produits que nous n'arrivons pas à écouler en ville, tout simplement parce que l'état de la route nous en empêche. Des pleurs qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je ferai de tout ce qui est de mon possible pour que nous puissions désenclaver ces zones qui constituent des bassins de production agricole et qui devraient donc
pouvoir aider ces mamans à s'épanouir économiquement, financièrement, ainsi de suite. D'autant que pour l'année budgétaire qui arrive 2021, nous avons eu locutus du Mindevel pour pouvoir acquérir un engin autonome qui soit un engin de la mairie qui va pouvoir de manière, j'allais dire spontanée, pouvoir travailler, aller élaguer les bourbiers, aller ouvrir les passages. Déjà attachée à plusieurs cultures, la femme Lorega mise désormais sur la cacao culture pour sortir de la misère et assurer son autonomie. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, ainsi que plusieurs autres structures d'encadrement, ne les lâcheront pas. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bird Bissa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with human interest story to say that three suspected drug traffickers have been intercepted by custom officials in Buda in the Bambutus division of the West region of Cameroon. They were in possession of bags of cannabis believed to have been brought in from the town of Kumbu in the Bui division of the Northwest region of Cameroon. Immaculate Fogwe tells us more. Bags of marijuana branded as maize and loaded on a 30-seater bus. The 10 bags that left Kumbu in the Northwest region were intercepted by custom officers at the entrance of the town of Mbuda, West region of Cameroon. The sale of illicit drugs promotes insecurity, so we are putting in efforts to combat such practices. The population needs to be protected. The discovery was made after the security elements received a tip-off. I would love to call on the entire population to collaborate with us so we can track down criminals. Thanks to the information that was given, we have recorded positive results. We can only succeed if everyone decides to kick off insecurity. The driver, bus assistant, and suspected drug trafficker have been intercepted, awaiting trial. Former Batonier Yondo Black says the bad governance of the Biya regime has made Cameroonians to be nostalgic of the Biya regime. Speaking on La Verity and Fast, the Liga Mind indicated that Maurice Kamto is more preoccupied by the Anglophone crisis than President Paul Biya. Details in the upcoming report. To former Batonier and politician Barrister Yondo Black, the solution to what he calls the problems of Cameroon will only come from an Anglophone, because Anglophones are groomed in liberalism as opposed to Francophones trained by the cane and the iron fist. With Cedric Nufeli, Babila Jonathan and Juval Fongwa on La Verite en Face, the Liga Mind compared the Ayijo and the Biya regime to illustrate what he calls bad governance in Cameroon. Ayijo a tué beaucoup de Camerounais. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le président Biya a réalisé l'espoir de faire regretter Ayijo. Ayijo killed many Cameroonians. He could not be compared to anybody. But today, President Paul Biya has made Cameroonians to be nostalgic about Ayijo. Quand on était enfant, in our days in school, malaria treatment was given free every Friday. Tous les vendredis, a lot of things were free. But today, services in Cameroon are not only expensive, but also of poor quality. Le Camerounais recherche qu'il ait de l'eau à boire. Cameroonians are unable to have basic goods like water and electricity. The Douala Yaoundé double carriage route is still unfinished after 10 years. With the Biya regime, when you are strong, you are sent far away. Whereas with the Ayijo regime, the strong and productive people were brought closer. The Batonier then used his experience to illustrate further. Moi-même qui vous parle, dans le prolongement du boulevard de la République. During the project to extend the boulevard de la République, I was deprived of 700 meters square of land. And 10 years after, I have not been paid my indemnities. Je vous dis que ça fait plus de 10 ans. La loi dit, quand il y a expropriation, on donne d'abord l'indemnité avant de... On the support to Professor Maurice Kamto,
national president of the Cameroon Renaissance Movement political party, Batoni Yondo Black says CAMTO is the symbol of true change in contemporary Cameroon. Le président CAMTO a la chance pour l'heure. Look at the crowd he pulled in Paris. Do you know what it means to fill the Place de la République in France? You must be loved. Remember the crowd he pulled here at Deido when he came back from France. Do we have that crowd when President Biya is going out? When the CPDM paid people to stage a protest at the French embassy in Yaoundé? How many people aren't sat present? Il fait la manifestation à l'ambassade de Yaoundé, de France de Yaoundé. Il y avait combien? He also believes that Maurice CAMTO is illegally held under house arrest in Yaoundé. On dit tous les jours en France, Macron démission, Macron démission. Vous avez entendu un jour qu'on a arrêté quelqu'un pour ça? In France, protesters are asking for the resignation of Emmanuel Macron, but no one has been arrested or charged for insurrection. We had a similar march in the United States when Trump was elected. Why is Cameroon different? Oh, c'est lui qui provoque. The legal mind says Maurice CAMTO is most preoccupied by the Anglophone crisis, most qualified to handle the crisis than President Paul Biya. The Anglophone crisis would not persist if the current regime really loved Anglophones, according to Barrister Yondo Black. The mayor of Manfi has announced the construction of a residential site to host internally displaced persons of the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Mayor Robertson Ashu made a declaration over the weekend during an extraordinary council session of the Manfi Council and over in the neighboring Eyumujo subdivision, still in the manual of the southwest region of Cameroon. Newly installed municipal officials have been charged to bring back security to the area. The call came from the SDO for the Manu Division, the Joseph. Details with Simat Njikan Gibril. It was a quiet Manfi town that Equinox television crew met. The town, as well as other localities in the southwest and northwest region, have also witnessed the negative impact of the Anglophone crisis, with most of its inhabitants on the run. Hoping for better days ahead, council is already preparing a structure that is expected to host over 200 internally displaced persons who are to return from neighboring Nigeria. The information was disclosed during a council session. The mayor, Robinson Tabenchong Ashu, said apart from hosting the IDPs, they will have food and medication allowances given to the internally displaced persons until they regain their homes. At Eyumojok, it was the new mayor, Ntufam Ayamba Jacques Aita, who was commissioned into office by senior divisional officer of Manu Division. We urge them to work together, to work hand in glove, for peace to reign in Eyumojok Council, to call upon the youth who are still hiding in the bushes to come back. Because the main assignment we have given to them during this installation, during the moment that we have been commissioned at the helm of this council, is to liaise with those young people to come back for peace to reign. And I dwell also on the fact that I want them to carry out efficiently their job, their duties on the field. The mayor, who doubles as chief of Eyumojok, says he is set to bring peace in Eyumojok. My role as mayor is to serve. My role as mayor is to empower, is to develop and to improve on the living conditions of my people. And I know that I am ready to do that. I will do my utmost best for peace to return. And I'm calling on my brothers who are still there in the bushes that they should come out. It is now our turn. It is a mayor who is young like them. Understand the problem of everyone. Let us come as a people and see how we can develop this frontier municipality, which should be a citadel, a reference in other places in Cameroon.
even though the town is still shaky. We cannot say there is complete peace until all our sons and who are in the bushes will come out to meet us in subsequent ceremonies. But I want to say that there is much peace here in the Umojok subdivision. Umojok is made up of 66 villages and is in between Ikom town of Nigeria and Manfe of Mayu division. And it's from Umojok in the Manyu Division, Southwest Region of Cameroon, that we end news in Douala in Vuri of the Littoral Region. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. Still with Equinox Television at 6 p.m. You shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Baird, Bissay and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien. See you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi Armstrong Sandal, prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, on se verra demain 7h. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.